De toute façon, j'arrive. Oui. Bonjour. Tu veux faire quoi? Ma tablette, s'il te plaît. T'es inscrit à la bibliothèque? T'es inscrit ici? C'est juste une question parce que je te connais pas. Tu étais déjà venu? Tu connais comment ça se passe et tout ici? Ouais, tu t'appelles comment? Comment? Ça c'est quoi? Grand F et un petit ballon F. Foot. Jouant. Foot. Super. Grand G et petit G. Il joue à quoi? Tu sais ce au que golf. C'est? Au golf. Tu connais cette journée, le golf? Ouais. Ah. J'en ai déjà fait hier. Ah, hier? Oh, t'as de la chance. Alors. Et football? Ah non, presque. Rugby. Non, il est sur football. Et non, regarde, dans le football, tu peux me mettre le ballon dans les mains. Ah, est-ce que tu mets le ballon dans ta main quand tu joues au foot? Non, mais comment ça, deux fois rapidement, elle redescend, elle remonte? Mais vous allez peut-être pas rester dans le noir, non, quand même? Mounira et Bertrand, vous pouvez venir dans le bureau, il y a de la lumière. C'est sûr, parce que Mounira, tu vois rien, toi. Kamar, on dirait que c'est une ville que tu as pris de la France, tu l'as pris, tu l'as posé là-bas, tu la tèges et tu t'en es pas occupé. Voilà, regardez ce qu'ils nous ont fait à Clamart, ils nous ont fait un lac. Un lac, et franchement un lac. Un lac, ils nous ont mis des bancs au bord du lac et on n'a pas le droit de squatter sur les bancs. Tu squattes sur les bancs, tu vas voir 10 équipes arriver. 10 équipes de policiers. Voilà. Ils vont te dire pourquoi tu es là. Pourquoi je suis là? Ben, pourquoi je suis là, frère? Ils nous ont mis un lac, avant de nous mettre le lac, ils nous disaient quoi? Ils nous ont fait rêver. Des cinémas, ils allaient nous mettre un cinéma, un parc de jeux. Un stade. Un stade, on a rêvé, re-rêvé pour qu'au final ils nous mettent un lac et un pont, deux ponts. Deux ponts, frère. Deux ponts et au fond ils nous ont mis une toile d'araignée pour que les petits grimpent. C'est tout ce qu'ils nous ont mis. Refuge pour les enfants de Clamart, c'est aussi un modèle pour les bibliothèques partout en France. 1200 lecteurs, 15 000 volumes français et étrangers, romans, contes, bandes dessinées, il n'y a pas de ségrégation. Ici, l'enfant est dans son domaine. Il gère, il sélectionne, il s'informe. L'adulte est là pour le guider, le conseiller, favoriser son autonomie. Apprendre à lire, c'est aussi apprendre à choisir. Moi, j'habitais dans un appartement qui avait des fenêtres qui donnaient vraiment sur le chantier. Et c'était assez mystérieux au départ parce qu'on voyait que ça n'allait pas être des immeubles en plus. Et tout le monde disait, c'est une bibliothèque, c'est la famille Schlumberger, c'est Schlumberger qui paye. Enfin, c'était très drôle. Moi, j'entendais ça avec, à l'époque, j'avais 10 ans. Et la bibliothèque a ouvert. J'ai plein d'amis qui y sont allés. Et curieusement, moi, j'étais élevé par ma grand-mère parce que mes parents travaillaient beaucoup. Et ma grand-mère m'a interdit de venir à la bibliothèque parce que c'était une bibliothèque où on allait toucher les livres et les livres étaient prêtés et les livres étaient sales. C'est juste... très exceptionnel. Je ne sais pas comment Madame Schlumberger est venue, comment elle a eu cette idée de mettre de l'argent à la disposition de gens exceptionnels, car elle a trouvé un architecte qui a fait une bibliothèque cherchée dans le monde. Il n'y en a pas trois comme ça. Ils sont allés jusqu'à chercher le mobilier en Finlande chez Alvar Aalto. Il faut quand même... C'est dingue, en 1960, dans une banlieue de Paris, penser à faire un lieu pareil pour les enfants et pour les livres. La bibliothèque leur a beaucoup donné,
Mais il faut savoir aussi que les enfants ont énormément donné à la bibliothèque par leurs textes, par leurs dessins, par les réflexions qu'ils avaient aussi sur les livres.